Moi, j'ai. C'est que j'ai vous ai demandé à plusieurs reprises le fameux canal, le petit truc à qu'on sort du Pont-Gouin, qu'on tombe où il y a le petit club le long du trottoir, là. La première rue. Cette petite rue-là, là, le canal qui est au ras du poteau, là. Parce qu'il y a plusieurs canals à cet endroit-là. Il y en a un en plein milieu de la rue. Il y en a un autre qui a juste des petits trous, des trous carrés. Puis, quand il y a plusieurs canals, là, de façon découverte différente. Mais moi, je vous parle de couvert, là, normal, là, qu'il y a toutes les fentes, là. Lui, il est au ras du poteau d'hydro. Ce canal-là, il est tout le temps bloqué. Tout le temps. Moi, je n'ai jamais vu débloquer ce canal-là. Et quand il pleut, on est tout le temps les deux pieds dans l'eau, puis quand on traverse la rue, on ne sait pas où mettre les pieds. Et cet hiver, la rue était inondée, parce que je ne sais pas il y a combien de canaux qui ont été bouchés, mais la rue était inondée. J'aimerais ça, monsieur le maire, qu'il y ait quelqu'un qui débouche ce canal-là. Encore aujourd'hui, il est bouché. Et aussi, je vous ai parlé de la rue Conrad-Gosselin, vous m'avez fait part. Moi, je vous demanderais, si c'est possible, avant que vous fassiez quelques, avant que les commerces se bâtissent, que vous fassiez la piste cyclable le long de la rue, j'aimerais que vous ayez, si c'est possible, de rajouter de la gravelle. Un peu comme vous avez, comme un peu comme vous faites ici pour la piste le long du canal. Parce que quand il pleut, c'est la seule place où les piétons, on peut marcher. On peut marcher le long au ras de l'asphalte, mais il faut que les autos se tassent, puis c'est dangereux que les autos qui s'arrêtent sur l'autre côté, parce qu'ils embarquent la ligne entre les deux roues. Parce que moi, quand il y a trop de boue, c'est là que je marche. Fait que s'ils peuvent mettre plus de roches, au moins quand il pleut, on ne marchera pas dans la boue. Ça serait-il possible? On va vérifier, on prend des notes, là, ce que vous me dites. On va vérifier ça avec des travaux publics, effectivement. Parce qu'à partir du McDonald's, là, au moins jusqu'à l'entrée du Saint-Henri, là, ça serait apprécié. On va regarder ça. Merci. Bienvenue.